Henry, Piper, votre père et moi sommes sur le point de partir. Ok, d'accord, à plus tard. Au revoir. Piper, s'il te plaît, viens m'aider avec les valises. Oh, pourquoi c'est pas Henry qui t'aide? C'est lui, le garçon. Tout simplement parce que votre père doit lui donner des consignes pour quand on ne sera pas là. D'accord. Alors, Henry, prends ton téléphone. Excuse-moi, quoi? Ton téléphone. J'ai des consignes pour toi et je veux que tu les aies en vidéo. Très bien, je fais une vidéo. Ok, vas-y. Bonjour, mon nom est Jake, Papa Hart. Donc Henry, ta mère et moi, nous partons à Toronto pour 3 jours. Alors viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Viens par là. Bien. Tu vois ceci? Oui, je vois. Ceci est ma voiture de sport radiocommandée vintage et elle date de la fin du 20e siècle. Waouh! Ça n'est pas un jouet. Si, c'est un jouet, littéralement. En notre absence, tu ne dois surtout pas jouer avec ma voiture. J'ai pas envie de jouer avec. Bagnole, gnole, gnole. Je m'en fiche, fiche, fiche. Parfait. Alors, je crois que ta mère a elle aussi quelque chose à te dire. D'accord. Henry, par ici. Oh. Salut, maman. Henry, écoute bien. Je suppose que tu sais ce que c'est. C'est un œuf. Oui, c'est un œuf. J'ai mis dans le mille. C'est même un œuf dur. D'accord. Interdit de manger cet œuf. Compris. Tu n'y touches même pas. J'ai pas envie de le toucher. Bien. Oui, moi aussi, je suis content. Alors, Henry. Oui, papa. Pendant notre absence, pas de fête. Je n'organiserai aucune fête. Les seules personnes que tu peux inviter dans la maison sont Charlotte et Jasper. Non, en fait, seulement Charlotte. Obligé. Et l'aéroport, vous y allez comment? C'est Piper qui nous emmène. Parce que j'ai un permis de conduire. Oui, qui t'a été envoyé par erreur. Il est quand même valide. En exclusivité sur Canal et Numéricable,